Ça peut être toi qui vends tes propres services ou ton propre produit à ta communauté, voilà, comme Kylie Jenner. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, vous allez bien. Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, motivé à voyager où tu veux, donc à être libre géographiquement grâce au business en ligne. J'ai grandi à Évry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP et pourtant je l'ai fait avec mon premier business en ligne sous le saxophone où je vendais des formations sur comment jouer au saxophone tout simplement. Tu peux voir ma chaîne, tu tapes Jonathan le saxophoniste, tu verras ma chaîne. On est à plus de 10 000 abonnés quand même, hein, voilà, alors que je suis même plus trop productif dessus. J'ai fait même un lancement quand j'ai lancé ça, j'ai lancé mon premier produit, j'ai fait 20 000 euros en une semaine. D'accord, je t'explique tout ça dans la masterclass qui est offerte. Donc les gars, il n'y a pas d'excuses. Voilà, on a tous eu des galères. On n'est pas tout le monde. Et la pointe, 87% de la population n'est pas liée sur la bonne étoile. Alors arrêtez de trouver des excuses, les gars. Si tu veux y arriver, tu peux y arriver. De toute façon, tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. On va voir dans cette vidéo le combat entre créer un capital social et créer un capital financier, donc de l'argent, quoi, tout simplement. Quelle est la différence exactement? Quels sont les avantages, tu vois? Donc, c'est une réflexion que je partage avec toi que j'ai eue il n'y a pas longtemps. J'étais là comme ça, je réfléchissais parce que je réfléchis tout le temps, tu vois. Je suis toujours là, ah, tiens, ah, machin. Et je me suis dit, mais attends, mais un capital social, c'est largement plus puissant qu'un capital financier, en fait, tout simplement. Alors, si tu sais pas c'est quoi un capital social, un capital social, c'est par exemple le fait d'avoir une communauté, tout simplement. Tu vois, YouTube, c'est développer un capital social. Être sur Instagram, c'est développer un capital social. Ce que Will Smith fait sur YouTube et sur Instagram, c'est développer son capital social. Ce que fait Kevin Hart, c'est développer son Instagram, c'est développer son capital social. Ce que Kim Kardashian fait, c'est développer son capital social. Donc, c'est pas social, c'est pas genre capital sympathie. Ah oui, les gens aiment. Non, c'est vraiment avoir du monde qui te suit sur les réseaux. Et là, peut-être que tu te dis, mais attends, mais ça n'a rien à voir là, c'est de l'argent. Je préfère avoir de l'argent qu'avoir un capital social. Grosse erreur! Et c'est pour ça que là, j'interviens, tu vois. Parce que je savais que tu allais commencer à dire, oh, non, ça n'a rien à voir. Grosse erreur! Voilà, d'où le sujet de la vidéo. Ok? Alors, j'ai noté les avantages qu'il y a à créer un capital social qu'à avoir de l'argent. Premièrement, l'argent est disponible tout de suite, le fait d'avoir un capital social. Donc là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Les gens qui ont des followers, ils n'ont pas d'argent. Comment ça s'organise? Tu vois, c'est simple. Tu as un exemple que tout le monde connaît, là. C'était, comment elle s'appelle? Kylie Jenner. Kylie Jenner qui avait fait sold out, stock épuisé en quelques heures. Parce qu'elle a dit juste, oui, j'ai ma nouvelle marque en fait, les filles. J'ai ma nouvelle marque qui va juste de sortir. Donc, swipe up et puis vous pouvez acheter, ok? C'était fini. Tout l'argent, le transfert de richesse s'est fait en un swipe. L'argent est arrivé sur son compte. Je sais pas si tu te rends compte. Tout le monde a mis son argent. Ça a basculé sur son compte en banque. Donc, tu vois bien que l'argent est disponible tout de suite, tu vois. Kim Kardashian, c'est la même chose. Tous les gens qui sont sur les réseaux, c'est la même chose. C'est pour ça que je dis à chaque fois, l'argent suit l'attention. Je vais te le répéter sur toutes les vidéos jusqu'à temps que ça rentre. C'est le secret de l'argent depuis la nuit des temps. L'argent suit l'attention. L'attention est sur les réseaux. Et en plus, maintenant, tu peux faire swipe up. Donc, ça se convertit encore plus facilement quand tu as l'attention aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse pour pouvoir être pauvre. Il y a juste les gens qui ont des coronesses pour pouvoir passer à l'action et persévérer. Et puis, il y a les autres qui regardent, quoi. Ils regardent les autres passer. Ah oh ouais, oh, ça déchire ce qu'il fait. Oh, ça déchire. Ou rager. Oh là là, c'est pas possible, etc. Oh là là là. Dans tous les cas, tu es un commentateur. Moi, j'aime pas être un commentateur. Je sais pas pour toi. Après, chacun son truc. Hein. Tu vois, mais moi, par exemple, je suis pas. J'aime avoir le rôle principal. Surtout dans ma vie. Je sais pas ce que tu en penses, mais voilà, je préfère avoir le rôle principal dans ma vie, quand même, parce que c'est quand même ma vie, j'ai envie de te dire. Donc, j'ai pas envie de passer à côté de ma vie et d'être là, on sert à rien, quoi, dans la life, on est là. Donc, l'argent est disponible tout de suite, contrairement à la banque, où la banque va falloir y aller. Des fois, il y a des banques, surtout en France, là. Je vais dire vous en France, genre. Le gars ne se sent plus français. Ah ouais, non, toujours, c'est ton passeport français, toujours. Ah, ok, voilà, calme-toi. Donc, du coup, l'argent est toujours disponible par rapport à genre quand tu vas en banque. Quand tu vas en banque, si jamais tu as besoin de transférer de l'argent à un autre endroit, il te pose tellement 50 000 questions. Mais vous avez fait quoi avec l'argent, monsieur, monsieur, mais comment ça? Il faut signer quel papier? Il faut passer au bureau physiquement, monsieur.
Mais monsieur, mais monsieur le banquier, c'est mon argent quand même, non? Wow, 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 calmez-vous, monsieur. C'est votre argent, c'est votre argent. Wow, wow, wow! Ok? C'est notre banque, ok? Alors, si t'es pas content, c'est la même chose. Donc, ils le disent pas comme ça, tu vois? Ils le disent genre en mode. Non, mais vous savez, monsieur, c'est pour la drogue, le blanchiment d'argent. On essaie de faire attention. Ok, donc ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Mais en vérité, ils disent, nous, on a besoin de garder ton argent, on a besoin de le faire fructifier. Vu que tu sais pas quoi en faire, c'est sur ton compte. Nous, on a besoin de le faire travailler et gagner de l'argent avec. Donc voilà. Alors que Instagram, swipe up, hop, voilà. C'est rapide ou pas? Deuxième avantage, c'est que c'est anti-crise. Surtout la crise qu'on vit actuellement, j'ai envie de te dire anti-crise quoi. Je veux dire dans le sens où ton argent, si tu le laisses à la banque, genre, il peut se déprécier, tu vois. Hein, notamment si tu as du dollar, des trucs comme ça, hop, ça peut se déprécier. Alors que j'ai envie de te dire, quand tu as un capital social, ça ne se déprécie pas. Au contraire, si jamais tu es régulier, bah, ça ne fait que s'augmenter continuellement. Tu vois, ça prend de la valeur, parce que plus il y a de gens qui te suivent, plus tu as un capital social, et plus potentiellement, bah, tu peux gagner de l'argent. Mais c'est même pas potentiellement, tu vas gagner de l'argent, forcément. Quelles que soient les raisons, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je sais même plus, mais bah, tu connais là, avec une vidéo par jour, on sait plus qu'est-ce qu'on a fait ou pas. Mais je sais que j'en ai déjà parlé, où je t'explique pourquoi le fait d'avoir un capital social, le fait d'être influenceur 2.0, pourquoi tu es obligé de gagner. Mathématiquement, tu es obligé de gagner à la fin. Il y a seulement si tu abandonnes que tu perds. Mais mathématiquement, si tu t'arrêtes jamais, tu es obligé de gagner. Mais comme les gens pensent court terme, tu vois, et se disent, j'aimerais bien avoir monté un business qui me fera gagner de l'argent pendant 2-3 mois et puis partir. Non, bah non, les gars. Non, c'est un truc, on part sur 5 ans, là, au moins, minimum. Donc, deuxième avantage, anti-crise. Troisième avantage, c'est qu'on ne peut pas te voler. Capital social, on ne peut pas te le voler. Alors que l'argent, bon, bah voilà, t'es là, hop, on essaie de te le voler, tu vois. Alors, capital social, bon. Ah, tu me diras, si on pirate ton compte, dans tous les cas, si jamais c'est plus toi qui es à la tête du truc, les gens, ils vont pas suivre. Hein. Si tu imagines bien, quel ingénieur, tu vois une autre personne qui n'a rien à voir, genre, je sais pas moi, Donald Trump, qui a le compte de Kylie Jenner et qui dit ouais, soit les peuples, les gars, j'ai une affaire en immobilier là. Je pense qu'on n'aura pas le même résultat. Donc ça n'a rien à voir. Okay, donc on ne peut pas te le voler. Capital social, c'est propre à toi. Quatrième avantage de créer un capital social, c'est que c'est multi-revenu. Ça veut dire que tu peux faire de l'affiliation. Donc tu peux gagner de l'argent grâce à l'affiliation. Tu peux gagner de l'argent grâce à des placements de produits. Okay, que ce soit des services de d'autres personnes, que ce soit des placements de produits classiques, voilà, de n'importe quelle entreprise qui veut promouvoir son produit. Ça peut être grâce à la pub YouTube, tout simplement. Voilà, par exemple, si tu es sur YouTube, tu autorises YouTube à mettre de la pub sur tes vidéos. Ça peut être toi qui vends tes propres services ou ton propre produit à ta communauté, voilà, comme Kylie Jenner. Hein, voilà, elle dit, swipe up, j'ai du maquillage, les filles. Vous voulez du maquillage, les filles? J'ai du maquillage! Swipe up! Ouh! Transfert de richesse. Hein, il y a des millions qu'on sautait là. Hein. Enfin, des millions qu'on transférait comme ça. Ok? Et cinquième avantage, ça c'est du bonus, les gars, je ne l'avais même pas marqué. C'est le fait d'avoir la sensation d'un accomplissement. Tu vois, parce qu'en général, quand tu développes comme ça un capital social, tu es en relation avec les gens, tu les aides. Donc c'est cool quoi. J'ai envie de te dire, c'est mieux que. C'est une sensation plus gratifiante que de ne rien faire, en fait, tout simplement. Ou d'être dans le métro boulot dodo. Bon. Voilà. Après, chacun fait comme il est. L'essentiel, c'est que tu sois heureux. Moi, je te donne les avantages. Ok, donc créer son capital social. Je t'explique tout ça dans la formation Influenceur 2.0. Comment gagner de l'argent grâce à Internet, YouTube, Instagram, là où il y a l'argent. Je te montre là où est l'argent et comment que l'argent il circule, tu vois. Et comment toi, tu peux être sur le chemin de l'argent. Tu vois, l'argent, il dit, mais toi, tu es toujours à l'extérieur. Tu vois, il est là, c'est bizarre ça, mais ah ouais, il circule là, mais il veut pas que, non. Et là, comme ça, je te fais faire, hop, je te mets au milieu. Wouhou, tu vois. C'est ça, mais c'est ça, faut être malin les gars, faut être malin. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que toi tu préfères laisser tout ton argent sur ton compte en banque, comme ça t'es sûr qu'il ne va jamais se multiplier. C'est une très bonne idée ça. Et ouais, oui, parce que tu mets l'argent pour le au cas où, voilà.
L'argent, c'est fait pour circuler, sinon ça meurt. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Donc à un moment donné, il va falloir que tu choisisses ton camp. Tu ne peux pas toujours être là. Sache que tu ne peux pas être un pied comme ça, de droit, un pied comme ça. Non, c'est choisi. C'est ou t'es chaud ou t'es froid. Même bouillant même.